Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tag PKJ sur le bac, tout simplement, puisque le bac est fini, on va fêter ça pour ceux qui l'ont passé cette année. Après cette période de souffrance, nous allons nous amuser. Enfin, on va essayer. Alors, le tag PKJ comprend 11 questions, ce sera donc une question, une matière pour répondre comme au bac. Alors, la première question, c'est le français, donc citez un livre d'un auteur français dont vous avez apprécié la plume. Vous voyez le sourire, vous savez. Ah, Christelle Dabos, tout simplement. Donc auteur plutôt francophone, hein, puisque c'est un peu belge, France, ça se mélange. Tout simplement, la plume de Christelle Dabos, comme toujours, et pour toujours, tout simplement. Deuxième question, mathématiques. Ah, ça pique. Alors, citez un livre dont la couverture évoque les maths. Alors, je n'en ai pas. J'ai vraiment regardé, j'ai même regardé dans ma pile, donc les livres que je n'ai pas lus, et je n'en ai aucun. Ça prouve mon amour peut-être pour les maths, je ne sais pas, mais... Troisième question, c'est l'anglais. J'aimais bien l'anglais. Alors, citez un livre dont le titre est en anglais, mais le contenu est en français. Je vous présente donc le tome 1 de Never Sky de Veronica Roth aux éditions Nathan. Le titre est en anglais, le contenu est en français. Oh, ça fait du bien, ça fait bien... J'ai beaucoup aimé cette saga, j'en parle un peu. Surtout en fait le premier tome et le deuxième sont très 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 bons, très très bien. Si vous voulez une dystopie vraiment intéressante, foncez sur Never Sky. J'ai juste le troisième tome qui a un peu buggé pour moi, la rigueur les deux premiers auraient peut-être suffi. Mais voilà, c'est une très bonne écriture aussi. Ensuite on passe à l'histoire. Citez un livre dont l'intrigue se déroule dans un passé lointain. Donc, le plus loin, j'ai aucun roman historique, hein, que ce soit romance ou vraiment sur l'histoire ou quoi que ce soit, j'en ai pas. Le plus loin dans le passé et dans l'histoire, ce sont la trilogie de Game de Kerstin Gier aux éditions Milan. Donc là, c'est le premier tome Rouge Ruby. Et oui, je crois que c'est le seul. Après, j'avais pensé aussi à Ne tirez pas sur l'as de mon cœur, mais ça remontait pas assez loin forcément dans l'histoire, je pense, pour la question. Donc, voilà. Ensuite, géographie. C'était une de mes matières préférées. On s'en fout, je l'ai dit. Alors, citez un livre dont l'histoire se déroule dans un endroit que vous avez placé sur une carte. Je sais tout placer, hein. Non, c'est quand même, pardon. J'ai donc choisi Another de Yukito Hayatsuji, donc là qui est le tome 1 chez Pika Roman et qui se passe donc au Japon. Et oui, je sais situer le Japon sur une carte, oui merci. Philosophie. Là, citez un livre qui vous a fait réfléchir. Alors attention, je vous préviens, le livre que je vais vous présenter n'est pas du tout philosophique ou quoi que ce soit, c'est juste que moi quand je l'ai lu, après, mon cerveau, il a tourné à plein régime et j'ai réfléchi sur plein, plein de choses. Donc, c'est le premier tome de Divergente. Donc là, c'était dans la collection Blast, avant que ce soit du Nathan, de Veronica Roth. Oui, donc ce bouquin, quand je l'ai lu, ça m'a fait réfléchir à notre société, à l'acceptation des autres, les différences. Qu'en fait, on a beau être différents, bon, on est quand même tous pareils, on se ressemble, on s'assemble et... Et voilà, donc c'est vrai que Divergente, quand je l'ai lu, c'était il y a 3-4 ans maintenant, je dirais 4 ans au moins, ça m'a fait vraiment vraiment réfléchir. Et donc voilà, c'est un des romans qui m'a vraiment fait le plus réfléchir sur notre monde, notre façon de vivre, les conséquences qu'ont nos actes sur d'autres personnes, enfin voilà, vraiment ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que je pense que ça a été un gros coup de cœur, parce que c'était pas que un roman... Voilà quoi, même si tu l'avais fermé, pour moi je réfléchissais tout le temps. On passe à la physique-chimie. Voilà, on est sur des matières que j'aime pas du tout. Hein. Citer un livre avec un personnage geek. Alors qu'est-ce qu'on entend par geek? Est-ce qu'on entend le gamer? Ou on entend le gars, ou la meuf, on s'en fout, qui sait faire des choses sur internet, sait faire plein de trucs avec ses petites mimines. J'ai choisi la deuxième solution, donc moi j'ai choisi Ne t'arrête pas de Michel Gagnon aux éditions Nathan, je vais y arriver. Donc ça c'est le tome 1 et donc nous avons Noah qui est une hackeuse. Donc plus geek, je pense que tu meurs d'une certaine façon, non, elle peut pas vivre sans son téléphone, enfin voilà c'est vraiment... elle est dingue cette nana et j'adore et j'ai toujours pas acheté le tome 2. Et donc là je suis en train de me rappeler qu'il faut que j'achète le tome 2 parce que c'est vraiment une très très bonne série. Une très très bonne écriture et voilà, donc il faut que j'achète le tome 2. Économie, ah ça j'aimais bien. Alors, citer un livre dans lequel le héros exerce une activité professionnelle.
quand j'ai eu la question, je me suis dit, bon, facile, il y en a un peu partout. En fait, quand je regarde vraiment dans mes livres, la plupart c'est de la dystopie ou du fantastique, les héros ne sont pas forcément majeurs et donc ils ne travaillent pas forcément. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Ma batterie fait des siennes. Donc j'ai décidé de vous présenter Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs aux éditions Harlequin. Donc là, notre héroïne est à la fois, en fait, elle travaille à la fois avec un, enfin, dans une vignerie, donc elle vend tout ce qui est du vin, champagne, voilà, des choses très très bonnes. Et elle est également bibliothécaire. Bon là, c'est plus du bénévolat, mais elle l'est quand même, voilà. Et moi, j'adorerais être bibliothécaire. J'avais adoré un peu ce qu'elle faisait, c'était totalement différent les deux, ces deux activités. Et c'était un bouquin que j'avais vraiment pas mal aimé. Même si parfois c'était un peu trop facile, c'est vraiment pour Noël, je vous le conseille, il est. C'est plein de chaleur humaine, plein d'amour, il vous redonne du baume au cœur. Franchement, si vous avez un coup de blues cet hiver, lisez-le, il est super bien. Ensuite, science. On repart dans les matières que j'aime pas. Citer un livre où les lettres science, donc. S-C-I-E-N sont présentes dans le titre. Alors, moi j'ai choisi de vous présenter La Cité des Ténèbres, hein, on a tout dedans, Les Origines parce que c'est les meilleures, de Cassandra Clare chez PKJ. Donc là c'est le tome 1, L'Ange Mécanique, je me souviens que j'avais adoré. Franchement, dans La Cité des Ténèbres, enfin dans les Mortal Instruments, ce que je préfère c'est Les Origines, il n'y a pas photo. L'époque est géniale et ah, j'aurais peut-être pu aussi citer cela du coup pour l'histoire. C'est pas grave. Et franchement, si vous lisez la saga, lisez vraiment Les Origines, ça vaut le coup parce que dans les derniers, en plus, on croise des personnages qu'on connaît, tout ça, donc c'est vachement bien fait. Mon petit chouchou, La Cité des Ténèbres, Les Origines, parce que les personnages sont super géniaux, ils sont pas superficiels, je trouve, comparé à la série de base. Rien que de regarder en fait la couverture, j'ai envie de le relire. On passe ensuite au LV2. J'ai fait allemand, c'était pas. Non. Alors, citer un livre écrit ni en français ni en anglais. Alors, en fait, j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque. Je pensais que j'en avais plus que ça, à part les Rouge Rubis, qui sont écrits à la base en allemand. Les autres, je ne pense pas que. Je crois que c'est que de l'anglais ou du français. Et donc, ce qui me reste, ce sont les séries de Camille Läckberg, donc chez Actes Sud. Je vous présente Le Tailleur de Pierre, parce que c'est l'un de mes préférés avec La Sirène. Il est vraiment top. Il est vraiment triste et il est franchement hyper palpitant en fait. J'ai pas du tout trouvé qui était le meurtrier jusqu'à ce qu'on me le dise quoi. D'habitude j'essaye, je vois, j'ai des hypothèses et ça fait partie, le tueur on va dire fait toujours partie du trio auquel j'ai pensé. Mais alors là j'ai pas du tout vu venir et il est excellent. Si vous aimez les séries policières qui se suivent dans un petit village, enfin dans un petit village, dans une petite ville où il fait froid, loin d'ici, loin de la France et avec des petites cachotteries, des petits trucs comme ça, franchement, lisez les Camille Läckberg, ils sont excellents. Et on finit donc avec le sport, que j'aimais beaucoup aussi. Alors, citer un livre dans lequel le héros fait de la course à pied, du running. En gros, moi je peux pas, j'ai des genoux pourris. On s'en fout, j'ai dit ça. Donc bah, j'ai décidé de vous présenter du coup The Dimension I Love You chez PKJ de Estelle Mascamé. Voilà, donc notre héroïne Eden fait de la course, enfin elle court. Après, elle fait pas non plus, c'est pas un sport qu'elle fait, je sais pas, genre au lycée ou quoi que ce soit, c'est elle le fait par elle-même. Mais elle fait beaucoup, beaucoup de courses, ce qui m'avait plutôt impressionnée dans ce bouquin, puisqu'elle court beaucoup, mais on ne la voit jamais manger. Ça m'a toujours choquée. D'abord, je crois que je l'avais dit dans ma vidéo quand je l'ai présentée. Tellement ça m'avait choqué. Mais voilà, notre Eden court. Et donc tout pour ce tag PKJ. Alors en fait, à part les maths, j'ai bugué sur rien. Je suis plutôt fière de moi. J'aurais peut-être eu une deuxième fois mon bac. Moi, vous, du coup, ce que vous avez répondu au tag, si vous l'avez fait. Donc comme d'hab, vous mettez les liens de vos blogs, de vos chaînes. Ou juste, si vous voulez répondre aux questions, peut-être que ça m'inspirera pour de prochaines lectures. N'hésitez pas à le faire en commentaire. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très très bonne lecture. Et on se dit à bientôt!